On relance toute la machine et on va repartir à zéro. Ne vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas. On ne vous abandonne pas. Nous sommes la médiathèque de Châtillon est toujours là. Voilà, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, les prolétaires du sol aujourd'hui, on va rentrer dans le sol et vous serez donc, comme je vous disais, accompagné au dessin par Agatha en duplex de Toulouse. Alors avant d'arriver dans l'infiniment petit, il fallait rentrer dans l'infiniment grand et je vais vous trouver le point qui relie ces arbres gigantesques et ces séquoias, comme ces fromagers du Costa Rica, ces arbres qui arrivent à atteindre, à dépasser les 50-60 mètres. Là, nous sommes sur la cordillère du Chili et ce sont des araucarias. Là, nous sommes arrivés en Tasmanie, au sud de l'Australie. C'est une île avec des eucalyptus géants qui dépassent les 100 mètres de haut. Là, nous sommes à Madagascar, dans cette forêt de baobab, et nous sommes sur cette prairie. Alors cette prairie artificielle, eh bien, elle a un point commun aussi avec les arbres, tout comme ce jardin, ou comme ce petit parc, ou ces jardins que vous voyez ici. Le point commun avec mes arbres géants, vous allez le trouver rapidement, et c'est les mêmes points communs que vous avez pour tout le monde n'a pas forcément un jardin. C'est une balconnière, mais c'est aussi une plante qui va pousser à l'intérieur de chez vous, c'est un géranium, c'est un ficus, eh bien c'est la terre. Ça va être la terre, le sol, le point commun de notre présentation d'aujourd'hui. Ce qu'on essaye de faire dans son jardin, ce qu'on essaye de faire dans son appartement, dans sa plante, c'est reproduire ce qui se passe dans la nature. Et vous avez dû remarquer lorsque vous promenez en forêt, c'est qu'une forêt pousse quelquefois depuis des centaines d'années, voire plus si c'est une forêt primaire, sans avoir besoin d'engrais. Donc que se passe-t-il dans cette forêt? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sol qui fait que cette forêt, elle est complètement autonome. Alors quand on pense forêt, on pense toujours au calme, à aller se promener. Et regardez cette jeune femme qui est en train de faire du yoga. Elle doit penser qu'elle est toute seule. Eh bien, vous n'êtes jamais seul lorsque vous êtes en forêt, pas plus que vous êtes seul quand vous êtes dans votre jardin, parce que vous avez des milliards d'individus sous vos fesses qui s'activent. C'est ce petit peuple, ces prolétaires du sol. Vous n'êtes jamais seul, parce que le sol, il est vivant. C'est ce qui va être l'âme de notre présentation d'aujourd'hui. D'abord, vous marchez tous les jours sur lui, souvent sans vous rendre compte pourquoi vous marchez dessus. C'est cet épiderme vivant de notre planète. C'est quelques centimètres par endroit, c'est quelques mètres par autre. C'est ce qui permet à la planète de vivre. Et ce sol, il abrite des communautés d'individus dont personne n'imagine la présence souvent, adultes comme enfants. Et malheureusement, on le maltraite, ce sol. On le maltraite parce qu'on le pollue. Regardez ce résidu de pique-nique qui est resté. Le sol, il vous nourrit. Faut savoir que 95% de notre nourriture est produite directement ou indirectement par les sols. Donc le sol est vivant, je le répéterai de nombreuses fois, donc il faut le respecter. Ah, on va jouer sur des chiffres, hein. On est dans l'infiniment petit, mais on va jouer sur les chiffres gigantesques, l'infiniment grand. C'est plusieurs milliards de bactéries dans un seul gramme de sol. Mais on va revoir tout ça. Et il faut savoir que dans une cuillère à soupe de sol, vous allez prendre une jardinière de votre balcon ou de votre jardin ou d'un parc, eh bien, il y a plus d'individus que d'humains sur Terre. Donc on rentre dans cet univers des tout petits, ou du tout petit, hein, qui est la zone située juste, qui respire encore, à quelques centimètres sous l'herbe, sous les arbustes. C'est là que, dans ces 5 premiers centimètres, se concentre la vie dans le sol, ce qu'on appelle la rhizosphère. Alors qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds? Eh bien, la même chose qu'il y a aux heures de pointe dans un métropolitain, dans un autobus ou dans des grandes artères où tout le monde s'encombre, sauf que là, c'est en permanence dans le sol et le sol ne connaît pas le confinement. Ça s'appelle les travailleurs de l'ombre. Alors, avant de rentrer plus en détail dans ce petit peuple, je vais vous mettre des transferts d'échelle, parce que quelquefois, entre petits grands, on a toujours du mal à rentrer. Et maintenant, je vais vous montrer les rapports d'échelle qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous voyez ce monsieur qui est au pied d'un séquoia. Alors, un séquoia, c'est un arbre qui atteint 100 mètres, hein, infiniment grand. Ce monsieur, en moyenne, il fait 1,70 m. Eh bien, on va rentrer à l'intérieur de son corps. Il est constitué, comme vous et moi, de 30 000 milliards de cellules. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais parmi ces 30 000 milliards de cellules,
Il faut savoir que vous portez aussi en plus 40 000 milliards, vous comme moi, de bactéries. C'est-à-dire que dans tout corps humain, il y a entre 2 et 3 kilos de bactéries. Donc il y a plus de bactéries dans un corps humain que de cellules de ce même corps. Et si on s'intéresse seulement aux cellules de notre corps, il y a 24 000 milliards de globules rouges. Ça veut dire que 85% de nos cellules, de notre corps, ce sont des globules rouges. Je commençais par cette chose parce que le globule rouge, c'est quelque chose de simple. C'est la première chose lorsqu'on fait une analyse de sang, on fait une formule sanguine. Voilà ces petits globules rouges. C'est ceux qui vont nous servir de transfert d'échelle aujourd'hui. Je vous remets un globule rouge. Et derrière lui, vous allez avoir apparaître quelque chose d'énorme. Alors, le globule rouge, il fait 8 microns, 8 millièmes de mètre. Et derrière lui, vous voyez apparaître une cellule végétale. Une cellule végétale, en comparaison, c'est énorme. Ça fait 100 microns. On va continuer à descendre en taille. Voici mon globule rouge de 8 microns. Et devant lui, je vous place une bactérie. Ça va être la bactérie d'aujourd'hui. Voilà une bactérie. C'est la Regardez-la par rapport au globule rouge, elle ne fait que 2 microns, donc elle est nettement plus petite. On va continuer à descendre dans l'infiniment petit, avec, je vous ai remis ma bactérie, et à côté je vous mets un virus, une particule virale, très à la mode en ce moment. C'est un alors il est inoffensif pour nous, il s'attaque qu'aux bactéries, et il y en a profusion dans le sol, il fait 0,4 microns. Alors, comme il fallait parler virus quand même, ce qui est en train d'arriver sur mon image, c'est le Covid, la Covid-19, voilà. Il fallait le remettre à l'échelle de cette discussion, mais vous ne le trouverez jamais dans le sol. Donc, vous pouvez gratter votre jardin, votre jardinière sans crainte. Lui ne fait que 0,12 microns. Voilà. Maintenant que le décor est planté et les tailles sont plantées, on va faire un petit inventaire de cette biomasse du sol dans le jardin, partout en forêt. Alors on va redescendre à l'échelle du micron avec mes bactéries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on va monter peu à peu. Je vais vous présenter les différents protagonistes qui vont jouer la pièce de théâtre aujourd'hui. Vous allez trouver ce qu'on appelle des protistes. Quand vous étiez à l'école, vous avez appelé ça des protozoaires. Le mot a changé. Tout le monde étudiait la paramécie. Donc vous allez trouver des amibes notamment. Puis des microvers ronds, les nématodes. Puis là, on arrive à arriver vers le millimètre, donc presque visible à l'œil nu. Beaucoup d'insectes, des micro-insectes indispensables dans le sol. Et puis aussi beaucoup d'arachnides. Alors les arachnides par rapport aux insectes, c'est 8 pattes. Les insectes, c'est 6 pattes. Et puis on commence à arriver dans le visible, vers l'échelle du centimètre. Et bien entendu, les stars du sol, c'est le ver de terre, le lombric. Sur laquelle on s'attardera pas mal. Et puis, bien entendu, quand on commence à arriver dans le visuel, et bien dans le sol, vous allez trouver toute une population, une petite faune de mammifères, des mulots, des taupes, etc. Et bien sûr, l'univers dans lequel évolue tout ce petit monde, dans le sol, c'est celui des racines. Voilà. Alors bien sûr, les échelles n'ont pas été respectées volontairement sur ces images, sinon vous ne verriez pas les bactéries. Alors, combien y a-t-il de vie dans le sol? C'est souvent une question que l'on me pose. Ben, dans une poignée de terre, ça fait 200 grammes. Il y a à peu près 500 mg, 0,5 g de matière vivante. Voilà. Si vous le ramenez à un hectare, ça fait 5 tonnes. Si vous voulez le comparer à quelque chose que tout le monde parle, le mouton, ben, ça ferait comme si vous posiez 100 moutons sur un hectare, ce qui est assez considérable. C'est ça la biomasse vivante sur un hectare. Donc une poignée de sol, c'est quelque chose quelquefois que les enfants ont du mal à comprendre, c'est vivant, c'est essentiellement de la vie. Donc maintenant, en parlant en chiffres, et c'est encore les chiffres qui vont exploser, 2000 milliards de bactéries dans cette poignée, 10 000 espèces, et on est loin de les connaître toutes. Ensuite, vous avez les champignons. Alors les champignons, sur vos 200 grammes, ça peut représenter 50 km de filaments. On va revoir tout ça, 500 espèces différentes. Vous n'allez plus voir le sol de la même façon. Les protistes, donc les amibes et autres, c'est 100 000 individus dans ces 200 grammes de sol. Les vers invisibles à l'œil nu, les nématodes, 10 000 individus. Ça grouille dans un morceau, dans un peu de sol. 5 000 insectes et 5 000 arachnides. Quand je dis les arachnides, ça n'est pas forcément que les araignées, c'est aussi ce qu'on appelle les myriapodes,
plus connue sous le nom de mille pattes. Voilà, c'est les 200, ce qu'il y a dans les 200 grammes de sol. Et on va maintenant les remettre en jeu à travers l'exposé d'aujourd'hui et voir leur côté indispensable, parce que sans eux, vous n'avez pas de terre, donc vous n'avez pas de plantes qui poussent. C'est l'expression, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, qui va nous ramener dans cette édition de La Science se livre sur l'infiniment petit. Et on va aller visiter ce petit peuple du sol. Et je vais utiliser ma taupe qui va creuser et qui va nous aider à rentrer dans ce sol. Allez, nous allons aller voir ce qui se passe dans ce sol. Donc en fait, c'est pour vous dire que la biodiversité, elle est sous nos pieds. Hein, ce n'est pas la peine de prendre l'avion, surtout en ce moment, on ne peut pas, pour aller dans les pays tropicaux. La biodiversité, vous l'avez sous vos pieds, vous l'avez sous vos yeux. Et c'est ce que je répète en général toute l'année, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir de la biodiversité. Vous l'avez dans votre jardin, vous l'avez dans une jardinière et vous l'avez dans un parc, dans les Hauts-de-Seine. Et ces habitants du sol, on est loin de les connaître tous. Hein. On n'en connaît que 10%. Donc on va. Il y a encore énormément de travail pour les naturalistes, les biologistes, à étudier ces populations qui sont indispensables, puisque ce sol, je vous le répéterai toujours, il nous nourrit. Alors on va commencer par les stars du sol, qu'on appelle aussi les ingénieurs du sol, ce sont les bactéries. Alors bien entendu, on est dans la partie invisible à l'œil nu. C'est pour ça que je les ai appelées de nobles prolétaires, avec une faute d'orthographe volontaire, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus abondant sur le sol, le plus abondant sur la planète. Hein, les bactéries, elles sont là depuis 3,8 milliards d'années, et que lorsque nous aurons disparu, elles seront toujours là. C'est elles qui ont façonné la planète, c'est elles qui ont aussi façonné le vivant. C'est-à-dire que sans les bactéries, nous ne serions pas là. Hein, ce sont les 2 kilos de bactéries que vous portez en vous qui font fonctionner votre organisme. Alors, c'est des petits moteurs d'un millimètre à 2 mm, hein, pardon, d'un micromètre à 2, donc à 2 microns. On ne les voit pas hein, sans un microscope. Donc il a fallu attendre, je dirais, l'ère pasteurienne pour qu'on commence à les voir et utiliser le microscope. Et chaque jour, je dirais, on découvre quelque chose sur ce monde des bactéries. Hein. 10 000 milliards de bactéries par gramme. Des milliers d'espèces. On ne les connaît pas toutes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable d'en cultiver 1% des bactéries du sol. Donc on est obligé de faire appel à d'autres techniques, du génie génétique, pour les connaître. Alors je vous présente rapidement une bactérie. Donc c'est un organisme unicellulaire, une seule cellule, mais avec elle, il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. Elle est entourée d'une paroi. Elles se promènent pour la plupart avec des petites flagelles qui leur permettent de se mouvoir dans le milieu. Elles possèdent autour ces poils qu'on appelle des pili, masculin, enfin singulier pilus. Et à l'intérieur, il y a du matériel génétique comme nous, hein, comme un humain, de l'ADN qui est diffus, il n'est pas dans un noyau. Et puis un autre morceau d'ADN qu'on appelle le plasmide. Et c'est ce plasmide souvent qui sert d'ailleurs chez les bactéries de mécanisme de résistance aux antibiotiques. Mais aujourd'hui, on est dans le sol, donc on ne parlera pas de mécanisme de résistance. Voilà, 10 000 bactéries. Et ces ingénieurs du sol, ce sont elles qui vont, au départ comme à la fin, intervenir pour transformer la matière organique en matière minérale. Mais elles vont être aidées par toute une équipe d'autres invertébrés et d'autres micro-organismes. Alors, automne, vous voyez les feuilles jaunir, vous voyez les feuilles tomber. La plupart du temps, lorsque la feuille tombe, elle est encore vivante au sol. Mais elle va être tout de suite attaquée par les bactéries, qui vont s'en servir comme de matière première pour se nourrir. Et peu à peu, vous allez voir cette feuille s'abîmer, se trouer, s'échancrer. Et là, interviennent déjà des insectes invisibles à l'œil nu, qu'on appelle les collemboles. Alors, ce sont des insectes qui ne possèdent pas d'ailes, très simples au point de vue, qui ressemblent énormément aux premiers insectes qui ont fait la colonisation du sol il y a 400 millions d'années. Ils n'ont quasiment pas changé depuis. Ce sont des détritivores. Ils se nourrissent de substances déjà mortes. Alors les feuilles, c'est association bactéries plus collemboles, et bien vous avez votre feuille disparaître, et puis d'autres petits individus vont intervenir, les acariens. Alors les acariens, ce sont des arachnides, 8 pattes. Hein, les acariens, on les trouve partout, vous vivez avec. Notamment, ils sont bien abrités dans vos cheveux et vos sourcils, tout comme dans les matelas de votre lit. Une autre famille de bactéries qui est dans le. Assez rapidement dessus, mais je voulais vous les montrer, c'est des bactéries filamenteuses. Comme les champignons, elles font des filaments.
On les appelle les actinomycètes. Alors c'est un gros mot, vous ne le retenez pas. Souvent, on les confond avec des champignons parce qu'elles font un feutrage sur le sol. Mais lorsqu'elles font entrer les feuilles en décomposition, c'est grâce à elles, lorsqu'il a plu, que vous avez cette odeur de sous-bois, cette odeur de pluie que vous sentez dans votre jardin, dans un parc en forêt, cette odeur de terre. Elle est due à une molécule, il y en aura une ou deux structures chimiques, j'en suis désolé, ça s'appelle la géosmine. La géosmine, on s'en sert pour retrouver des odeurs de sol, notamment en parfumerie. Et puis ces actinomycètes, ce sont elles qui nous ont fourni un bon nombre de nos antibiotiques, notamment la streptomycine, découverte après la Deuxième Guerre mondiale et qui est toujours utilisée sous forme de dérivés en médecine aujourd'hui. Donc vous voyez l'importance du sol, il n'y a pas que nous nourrir, c'est aussi nous fournir des médicaments. Alors ces bactéries, elles peuvent être aussi symbiotiques. Alors une symbiose, c'est entrer en communication, vivre avec quelqu'un, une symbiose. Alors la symbiose dans le sol, ben, vous l'avez dans votre jardin, vous l'avez à partir du moment où vous cultivez une certaine plante. Alors les bactéries vont se fixer au poil des racines, et elles vont engendrer la formation de ce qu'on appelle des nodosités, qui sont visibles cette fois-ci à l'œil nu, même si la bactérie, on ne la voit pas. Et lorsque vous allez dans votre jardin, vous cultivez des haricots, des petits pois, des fèves, vous les arrachez et vous, en fin de saison, vous allez constater que les racines de ces plantes, de votre jardin, il y a des petites boules dessus. C'est ça les nodosités. La bactérie, on ne la voit pas, mais on voit son résultat. Et le résultat, c'est de récupérer l'azote qu'il y a dans l'atmosphère. Hein, je vous rappelle quand même que 80% quasiment de notre atmosphère, c'est de l'azote. Les 20% autres, c'est de l'oxygène. Cet azote est indispensable au sol. Et les bactéries sont capables de fixer l'azote atmosphérique et de le restituer à la plante. Alors elle porte un nom terrifiant, rhizobium, vous l'oubliez. Ces rhizobiums vont entrer en contact avec les racines de plantes d'une famille que tout le monde connaît, ça s'appelle les légumineuses. Alors elle a un peu changé de nom depuis quelques années, on l'appelle les fabacées, mais je garderai le nom de légumineuses. Alors qu'est-ce que c'est que les légumineuses? Ben, c'est les fèves, c'est les haricots, c'est les petits pois, c'est les lentilles. Mais dans le jardin, dans la prairie, c'est le lotier. Vous voyez ici en jaune, ou le trèfle en rose. Toutes ces plantes appartiennent à cette famille des légumineuses, et grâce aux bactéries, l'azote est fixe, de l'air est fixé dans le sol, et c'est ce qui permet à votre plant de haricots de fonctionner. Mais en même temps, pendant qu'il pousse, il enrichit votre sol en azote. Donc la plante sert à la fois à nourrir l'humain, mais à nourrir aussi le sol, et lui donner de l'azote. Et cette symbiose, elle existe depuis très très longtemps. Voilà, donc ce qui fait que si vous voulez une prairie ou une pelouse en bonne santé, là vous allez faire un tour dans mon jardin aujourd'hui, eh ben, c'est une pelouse où il n'y a pas que de l'herbe. Parce que si votre pelouse elle veut être en bonne santé, il faut qu'elle soit auto-alimentée. Moi je n'utilise, il ne faut jamais utiliser ni d'engrais ni autre intrant. À partir du moment où vous avez utilisé dans votre pelouse des plantes comme du lotier, comme du trèfle, eh ben, vous allez avoir une pelouse qui s'auto-entretient au fil de l'année et qu'il ne faut surtout jamais tondre trop bas. Parce que si vous tombez trop bas, vous allez tomber dans la bêtise de faire arriver la mousse et de devenir esclave. Là, elle fonctionne en autarcie. Vous tondez quelques fois dans l'année. Tant pis pour ceux qui essayent d'épater les copains ou les voisins en tondant leur pelouse comme un golf. C'est la pire des choses à faire pour entretenir une pelouse que de la tondre. Trop bas. En dessous de 8 cm, c'est la catastrophe. Donc grâce à ces petites bactéries, eh bien, les rhizobiums, eh bien, la symbiose va s'installer d'abord dans les poils, puis après cette nodosité va se former. J'ai fait un agrandissement. À l'intérieur, les bactéries qui étaient à l'origine mobiles sont devenues fixes. Elles entretiennent une symbiose. Alors, ce n'est pas gratuit dans l'histoire. Toute symbiose a son revers. La bactérie donne de l'azote à la plante et la plante lui donne du glucose. Parce que la bactérie, elle est comme nous, comme les humains. Elle ne peut pas vivre sans glucose. Voilà. Alors je me suis amusé à faire ce petit dessin sur un haricot de deux bactéries qui vont entrer en symbiose avec la plante. Alors, je reviens sur les bactéries du sol. Eh bien, si vous laissiez une bactérie vivre sur notre planète, se développer avec suffisamment de nourriture, eh bien, en 48 heures, vous auriez 4000 fois le poids du globe. Alors je vous rassure, c'est impossible parce que ce qui va limiter la croissance de tout micro-organisme, c'est la nourriture. Mais si vous aviez de quoi la nourrir, eh bien elle pourrait envahir la planète parce que vous pensez qu'une bactérie, elle se divise toutes les 15 à 20 minutes.
vous avez une bactérie qui en donne deux. Je vous montre l'image, hein, c'est tout bête, hein, ça vous rappellera vos cours de SVT, elle va bourgeonner, et puis elle va donner deux bactéries. Ça, c'est 15-20 minutes. Et 15-20 minutes plus tard, vous en avez quatre. Et je continue. C'est pour ça qu'en 48 heures, si on laissait cette croissance se faire, eh bien, tout serait envahi par des bactéries. C'est ce qui va se passer lorsque vous êtes blessé. Je reviens à quelque chose de plus prosélytique. Regardez, vous avez fait une plaie. Cette plaie, elle va obligatoirement, si vous ne la désinfectez pas tout de suite, se contaminer. Donc les bactéries vont s'installer dedans, puisqu'elles cherchent à manger. Bien, alors en général, vous aurez eu le temps, vous, de la désinfecter, ou votre organisme de réagir en fabriquant des globules blancs qui vont tuer ces bactéries. En fait, le but, c'est toujours d'arriver à contrôler cette population. Et c'est pareil dans le sol. Les bactéries du sol, elles passent leur temps à se diviser. Alors vous allez me dire, on pourrait avoir des bactéries partout. Non, heureusement, parce qu'elles sont indispensables, mais il faut quand même contrôler leur population. Donc il y a quelque chose qui les tue. Alors dans le sol, je vous présente un tueur de bactéries. C'est le bactériophage. Le bactériophage, c'est un virus qui est un peu plus gros que la Covid, mais qui ne s'attaque qu'aux bactéries. Voilà. Alors regardez-le, il est bien fabriqué. À l'intérieur, il y a son matériel génétique, son ADN. Un virus, c'est ce qu'on dit toujours, il est entouré d'une capside, de protéines, et puis il a ses petites griffes qui vont lui servir à agripper la bactérie, comme le Covid a ses petits spicules qui vont lui servir à se coller sur nos cellules. C'est le principe d'un virus. Un virus, quand il est comme ça, il n'est pas vivant. Il va être vivant qu'au moment où il rentre dans la bactérie et qu'il l'utilise comme une photocopieuse. Et après, il va en ressortir sous forme de particules qui n'attendent qu'une chose, à recommencer. Donc le but, c'est quand même de réguler cette population de bactéries dans le sol. Je vous montrais deux exemples. Hein. Aujourd'hui, on fait ça de façon très simple. Alors ce petit virus, ben, il ressemble un peu au module Apollo lorsqu'il se posait sur la Lune. Voilà. Et il va se poser sur une bactérie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire le principe du marteau-piqueur. Il va creuser la paroi de cette bactérie et il va faire ce que fait tout virus. Il va injecter son ADN pour reprogrammer la bactérie, comme le fait un virus humain pour reprogrammer notre cellule. Donc c'est cette guerre qui se passe quand on dit toujours qu'est-ce que... Vous avez une vie qui explose sous vos fesses ou autour de vous, c'est pas quelque chose de calme. Voilà ma bactérie qui pensait être tranquille, ben c'est raté pour elle parce que les bactériophages, ils sont partout. Ah, ils veulent un virus ne vaut pas de mal à une bactérie, ne vaut plus mal. Chacun est là pour tourner son programme. C'est pour ça que quand j'entends dans la presse même des personnalités scientifiques parler d'un virus diabolique, c'est l'anthropomorphisé, c'est la bêtise totale. Le virus, il n'est pas là pour nous faire du mal, il s'en fout complètement. Il est là pour accomplir son programme. Donc une fois qu'il va être rentré dans cette bactérie, au bout de 20 minutes à peu près, ben il aura utilisé tout le potentiel, tout comme une photocopie, une disquette où vous rentreriez dans un ordinateur, et à partir de là, ben la cellule explose et elle va fabriquer des copies du virus et ça recommence. Donc ça permet de réguler la population des bactéries. Le jour où il n'y a plus de bactéries, les virus sont au ralenti. Et ça permet aux bactéries de redonner au sol le carbone et l'azote dont elles sont constituées. Donc elles vont servir d'engrais. Elles fabriquent l'engrais, mais elles servent aussi d'engrais. Donc l'ennemi principal de toute bactérie, c'est un virus. Alors maintenant, je vais vous présenter, on va augmenter de taille à chaque fois. Dans ce petit peuple du sol, on va passer dans des organismes qu'on appelle les amibes. Alors, les amibes, tout le monde a un peu entendu parler d'elles, de moins en moins, parce que dans les cours de SVT, on n'en parle plus. Alors les amibes, elles font à peu près la même chose que les macrophages dans notre sang. Elles mangent des bactéries par phagocytose. Elles attrapent des bactéries, leur nourriture, c'est des bactéries. Donc elles vont servir à réguler cette population de bactéries du sol. Et les amibes, elles ont la capacité de se déplacer. Donc elles vont bouger leur cytoplasme et elles vont être capables de bouger, d'avancer dans un milieu liquide, mais d'avancer aussi sur un support solide. Tant qu'elles consomment, elles consomment des bactéries tant qu'il y en a. Elles se battent pour consommer ces bactéries. Et au bout d'un certain temps, quand il y a beaucoup moins de bactéries à manger, les
amibes vont adapter une stratégie. Pensez à la stratégie de la tortue dans les légions romaines. Elles vont s'agglutiner les unes aux autres, fusionner et fabriquer une sorte de protoplasme, une gelée. Les anglo-saxons appellent ça un slug. C'est une limace d'amibe, mais elle est vivante, cette limace. Et elle va se déplacer. Et elle va se déplacer en général pour essayer de remonter à la surface du sol. Et en remontant à la surface du sol, elle va se transformer pour donner une sorte de ce qui pourrait ressembler à une fleur, à un champignon, à un organisme composé d'amibes, mais cette fois-ci qui va sécher à la surface du sol et produire des spores. Voilà cette limace d'amibes qui sort. Alors là, c'est visible à l'œil nu, parce qu'il y a des millions d'amibes qui se sont rassemblées ensemble, et ensemble, elles sont capables de coordonner leur mouvement pour fabriquer cette sorte de champignon qui est une colonie d'amibes qui va se transformer en spores et ces spores vont redonner dans le sol des amibes qui vont reproduire le même travail de se nourrir de bactéries. Bien, je quitte le monde des bactéries. Donc dans le sol, ce qui grouille dans le sol, comme une trame, comme un réseau internet, hein, ça s'appelle le mycélium. Il est formé d'ifs, de filaments excessivement fins, vous les voyez ici au microscope électronique, et ces champignons vont être capables de dégrader des substrats comme le bois, comme la paille, comme les feuilles, grâce à des enzymes qui sont capables de dissoudre la cellulose et la lignine. Il n'y a que les champignons qui savent faire ça. Alors bien sûr, on le met aussi à profit aujourd'hui pour faire du bioéthanol ou pour faire de la méthanisation. Alors ces bactéries, ces champignons du sol, certains sont capables de fabriquer des colonies, hein, ça s'appelle des moisissures, s'ils arrivent à l'air libre, hein, et ces moisissures, mais elles vont être quelquefois gâter vos aliments, si vous les allez retrouver en général le plus fréquemment, c'est sur le pain, mais ces moisissures du sol, la plus connue par tout le monde, c'est le penicillium, en latin ça veut dire pinceau, cette bactérie elle a la forme au microscope d'un pinceau, et ce penicillium, c'est grâce à lui que vous avez un antibiotique majeur qui est utilisé sur la planète maintenant sous forme de dérivé, qui est la pénicilline. Vous me dites, ah ben c'est impossible sinon. Eh bien, nous reprenons après une petite interruption. Donc, nous dans les champignons du sol qui sont capables, comme des bactéries tout à l'heure, de nous fournir des antibiotiques. Voilà. Alors, une autre capacité des champignons du sol, vous savez, c'est pas terminé, c'est de réguler les populations d'autres invertébrés, notamment les nématodes, ces petits vers ronds dont on reparlera tout à l'heure. Et les champignons, ils sont capables de fabriquer des lassos dans leurs filaments, leurs ifs. Et dans ces lassos, ils prennent au piège les vers. Ça va, ils vont resserrer leur lasso, sécréter des enzymes, comme ils le font pour la paille ou le bois, et digérer les vers qui vont leur servir de nourriture et qui donc vont repartir sous forme de carbone et d'azote dans le sol. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez digne d'un scénario de science-fiction. Je vous montre ces petits filaments. Vous voyez un ver nématode ici qui est immobilisé par ces petits lassos, ces petits nœuds, qui sont en général constitués de 3 ou 4 cellules, qui sont capables de se refermer. Lorsqu'elles sont au contact, voilà la partie, les cellules du champignon, et là elles se referment. Et vous allez voir sur l'image suivante un nématode piégé. Là, le champignon est en train d'injecter ses enzymes et il va digérer entièrement le nématode qui va se repartir sous forme d'azote et de carbone. Dernière capacité de ces champignons. Et ça, ce n'est pas des moindres, puisque ça se produit partout, aussi bien dans votre appartement, dans votre plante verte, que sur votre balconnière, que dans le jardin, qu'en forêt, c'est les mycorhizes. Hein, regardez, il y a le petit arbre qui dit aux champignons « je t'aime », il lui répond « moi non plus ». Et les mycorhizes, c'est un phénomène universel. Aucune plante quasiment sur la planète, un arbuste ne vit sans une association avec des champignons. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire sans plante, il n'y a pas de champignons, sans champignons, il n'y a pas de plante. Et ça, c'est vrai depuis 300 et quelques millions d'années, depuis que les plantes sont sorties du milieu aquatique. Donc cette symbiose, cette association plante-racine permet par exemple à un arbre, pendant l'été, de supporter la sécheresse.
parce que le champignon, vous allez voir, c'est lui qui va l'aider à capter l'eau. Alors, comment se fait cette symbiose? J'ai simplifié au maximum, voici des racines. Le champignon va envelopper la racine comme si vous mettiez un doigtier ou un gant. Voilà. Alors, le gant, c'est le champignon. Votre main, c'est la racine. Vous enfilez le champignon. J'ai essayé de trouver cette technique pour faire comprendre aux étudiants. Je crois que ça a bien marché. Donc, ce gant de champignon va avoir différentes fonctions. Déjà, capter l'eau, augmenter la surface des racines. Et c'est un rôle qui est très important, c'est qu'il va permettre aux différentes espèces végétales de communiquer entre elles. Elles ne communiquent pas par leurs racines, elles communiquent via les champignons, via un web souterrain qui s'installe. Ici, je vous ai présenté une carrière avec des sapins à gauche très schématisés et des feuillus. Eh bien, ce réseau de champignons va relier les racines. C'est un web souterrain. Donc, il faut savoir qu'Internet, l'homme l'a inventé il y a peu de temps. Les champignons le connaissent depuis 300 millions d'années. Et c'est ce web qui va permettre à des arbres d'envoyer des informations à des arbres situés à plusieurs centaines de mètres, alors qu'ils ne se touchent pas par les racines. Alors, ce réseau, il est très important. On découvre de nouvelles choses sur lui tous les jours, on peut dire. Donc, le champignon, il est comme nous. Il a besoin, comme les bactéries, de manger du glucose comme pour l'énergie de ses cellules. C'est la photosynthèse du végétal qui va lui fournir. Mais ce n'est pas gratuit. Dans la nature, une symbiose, il y a toujours une contrepartie. Et le champignon va donner à la plante l'eau, parce que la plante a beaucoup de mal à capter l'eau. Elle va surtout lui donner tous les éléments minéraux dont elle a besoin. Azote, phosphore, potassium, magnésium et autres. Voilà. Savoir qu'une plante ne sait pas capter ces micro-éléments si elle n'a pas de champignons. Je reviens à quelque chose de plus trivial. Vous avez un géranium sur votre balconnière, vous lui mettez de l'engrais. Vous ne donnez pas l'engrais à la plante, vous donnez l'engrais au champignon. C'est lui qui va redispenser ensuite l'engrais à la plante. Voilà. Ce qui veut dire que si le champignon disparaît, la plante disparaît. Alors à l'intérieur de ces cellules que je vous ai présentées tout à l'heure, microscopiques, les ifs, les cellules ne sont pas fermées. C'est-à-dire qu'elles peuvent... Il y a toujours un orifice qui permet... au cytoplasme, aux informations de circuler. Ça circule très vite. L'information dans les filaments de champignons, pendant que vous êtes assis dans votre pelouse, ça circule à la vitesse de plusieurs mètres par heure, quelquefois. Donc l'information va très vite. Et c'est comme ça qu'un arbre va pouvoir aider un autre arbre via les champignons. Regardez sur le petit dessin, mes amis épicéa ont une salmine, t'inquiète pas, je te reconnecte. Et le champignon va aider, l'arbre va pouvoir aider un autre arbre, une autre espèce, via le filet, les réseaux de champignons, via cette symbiose. Donc de plus en plus, on s'aperçoit qu'en fait, les espèces végétales sont capables de s'envoyer des informations via les champignons et d'envoyer des éléments carbonés pour aider dans une forêt des jeunes spécimens qui ont du mal à pousser. Ils vont être aidés, mais le transfert se fait par les champignons. Voilà, je dis toujours que les champignons, avant l'homme, même s'ils ont inventé le web, mais ils ont surtout inventé les allocations familiales et la sécu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des plants qui sont un peu fatigués dans vos jardins, pour renaturer votre jardin, vous pouvez acheter dans le commerce de la terre qui est déjà ensemencée par des mycorhizes qui vont permettre de redonner un coup de fouet naturel sans ajout d'engrais chimiques. Alors, il fallait parler des choses qui dérangent. Le pire ennemi des champignons, c'est comme le pire ennemi, le pire des désherbants qu'on ait fabriqué aujourd'hui, c'est le glyphosate. Voilà. Parce que le glyphosate tue les plantes, mais il tue surtout aussi les champignons. Et vous tuez les champignons, bah vous tuez l'association et vos rendements chutent de façon catastrophique. Donc, qu'est-ce que vous vend le fabricant de désherbants? Bah, il vous vend de l'engrais. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un cercle vicieux. Je reviens dans ma petite population du sol. On passe presque à l'œil visible, à l'œil nu, c'est les rotifères. Alors les rotifères, ben ils vont aussi consommer les champignons, consommer les amibes. Ils rentrent dans cette chaîne alimentaire qu'on va peu à peu reconstituer. 2 millions par mètre carré, et toujours quasiment, vous ne les voyez pas. Alors c'est des animaux très très simplifiés, un œil, un cerveau, œsophage, mais c'est des animaux très très simples. Et puis arrive une des stars du sol que vous connaissez peut-être, parce qu'on en parle beaucoup dans l'aérospatiale, c'est le tardigrade. Alors le tardigrade, c'est un micro-animal d'un à deux millimètres, pourvu de griffes, qui mange des protozoaires, qui mange des nématodes, donc qui intervient dans le cycle alimentaire.
Alors, les anglo-saxons les appellent les water bears, les oursons d'eau, voilà, vivants. Il y en a partout, depuis les glaces des pôles de l'Antarctique à la moindre forêt pluviale. Vous les trouvez en ce moment dès qu'il pleut sur la mousse et vous les trouvez dans le sol. Ils ont une capacité de résistance phénoménale, puisque dès que les conditions se dégradent, ils vont se dessécher et se mettre en diapause quelquefois pour des dizaines d'années. Et on peut les réveiller. Certains, on les a soumis aujourd'hui à des rayonnements, on les a emmenés dans la station orbitale. Ils tiennent par moins 273 degrés, c'est le zéro absolu, le zéro Kelvin, le froid absolu, et ils tiennent à 100 degrés. Donc c'est quasiment indestructible. Et ils sont très importants dans l'écologie du sol. Maintenant, on est passé quasiment dans le visible avec les nématodes, ces vers dont je vous parlais tout à l'heure qui font la prédation. Alors là, les nématodes, ils représentent 82% du poids de l'humanité, 440 milliards de milliards. Il y en a dans tous les sols. C'est ceux dont se nourrissent les champignons. Alors les nématodes, on leur a trouvé une utilité en biopesticides. Vous râlez quelquefois que votre jardin, il est mangé par les escargots, par les limaces, et vous utilisez des produits à base d'oxyde de fer, de sulfate de fer pour vous débarrasser des limaces et des escargots. Mais on a trouvé encore mieux, on a trouvé le nématode. Alors, le nématode, bien sûr, vous le trouvez dans le commerce, hein, en jardinerie notamment. Il va pénétrer à l'intérieur du mollusque, de la limace, de l'escargot. En même temps qu'il rentre, il rentre avec ses bactéries. Lui, il va bactéries vont peu à peu se développer au issu de l'animal. Ça a formé des sortes d'abcès sur la limace, sur l'escargot, grouillant de nématodes, de bactéries. Et peu à peu, la limace éclate et relibère des millions et des millions de nématodes. Et ça, sans toucher à rien d'autre. Voilà. On s'en sert aussi de ces nématodes pour se débarrasser de chenilles, d'insectes, donc qui viennent s'attaquer aux feuilles. J'en arrive à la star du sol, le ver de terre. Hein, c'est 80% de la biomasse animale sur Terre. C'est 1,5 tonne à l'hectare. Alors, et je vous présente quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vu, c'est le ver de terre vu de face. C'est son orifice buccal. Voilà. C'est par là que vont rentrer les débris végétaux. Et ça a inspiré un auteur de science-fiction que tout le monde connaît. Le film devrait sortir théoriquement cette année versus Covid. C'est le film Dune, adaptation du livre de Frank Herbert. En fait, il a énormément travaillé sur les vers de terre. Et c'est les vers de la planète Arrakis, c'est ce qui l'a inspiré. C'est le ver de terre qui l'a inspiré. Alors les vers de terre, pendant très longtemps, ont été considérés comme des parasites dans le sol. Il va falloir deux naturalistes anglais, un au 18e et un au 19e, Gilbert White au 18e et Charles Darwin au 19e, pour réhabiliter invertébrés. Charles Darwin, d'ailleurs, c'est le dernier ouvrage qu'il a publié quelques années, un ou 2 ans avant sa mort. Donc ils ont montré l'importance de ces invertébrés qui vont mélanger le sol. C'est eux qui vont être les laboureurs du sol. J'expliquerai après que labourer, ça ne sert à rien. Et c'est eux qui vont permettre la prolifération des racines, mais aussi aérer et par leur galerie permettre à l'air et à l'eau de rentrer dans le sol, donc favoriser la circulation de l'air, de l'eau et du drainage. Alors les vers de terre, on les voit toujours, certains ça les répugne. On peut faire énormément de choses avec les vers de terre. Là, il y a trois familles de vers de terre, j'ai simplifié, les épigées, les endogées et les acéniques. Alors c'est le moment de les voir en activité parce que le sol est engorgé d'eau. Comme ils ont besoin de respirer, ils respirent en surface. Alors les vers épigées, c'est ceux que vous trouvez dans la litière du sol. Si vous avez un jardin, dès que vous gratouillez, ils sont en surface. Ils sont très colorés, pour une raison très simple, c'est qu'ils voient la lumière du jour. Ils sont très très actifs, ils bougent. Dès qu'on les touche, hein, ils se recroquevillent autour de votre doigt. Voilà. Alors on les appelle les vers de compost. Ils vont participer énormément à composter le sol et c'est eux aussi qu'on utilise dans les composteurs. Donc l'intérêt d'un paillage au pied de vos plantes, c'est ce qui va permettre ces vers qui vont améliorer le sol en azote. Et puis un peu plus profondément, on trouve les endogées. C'est ceux qui sont ici. Ils font des galeries horizontales, les endogées. Comme ils n'en voient jamais le jour, ils sont quasiment dépigmentés. Et grâce à leurs galeries horizontales, ils permettent d'aérer le sol et de permettre aux nutriments de s'infiltrer. Et enfin, il y a le fameux lombric que tout le monde connaît, puisqu'on trouve en général ces petits excréments.
énormément chargé d'azote. En gardez ça un jour pour vos pots de fleurs, parce que c'est de l'engrais naturel, ça s'appelle les turricules, et c'est des vers acéniques. Ceux-là, ils sortent très rarement, ou alors lorsqu'il pleut beaucoup, parce qu'il faut qu'ils respirent. Mais pendant l'été, quand il y a une canicule, ils sont enterrés dans des galeries verticales. Ils font toujours des galeries verticales, jusqu'à 2 mètres dans le sol, donc ils ne souffrent jamais de la perte d'eau. Ils peuvent faire 30 cm de long. Et si vous sortez d'Europe et que vous allez faire un tour en Australie, certaines espèces font 2 mètres de long, pour 2 à 3 cm de diamètre. Et font le même travail qu'ici. Voilà. Donc c'est indispensable. C'est un ingénieur du sol, le ver de terre. Alors bien sûr, il va s'accoupler. Hein, même s'il est hermaphrodite, c'est comme pour les escargots, comme pour les limaces. Ils vont s'accoupler pour justement faire des mélanges de gènes. Et vous allez les trouver dans le sol, visibles à l'œil nu, ces micro-cocons. Donc il faut y faire attention, c'est-à-dire que votre sol est en bonne santé. Un sol qui contient des vers de terre est un sol en bonne santé. Si vous n'avez pas de vers de terre, c'est là qu'il faut vous dire que votre sol a des problèmes. Et ces cocons, ils vont sortir 2 à 3 petits lombrics qui vont s'installer. Alors bien entendu, ils ont leurs ennemis, la bêche. Alors ça, je vais le répéter à longueur d'année, c'est on ne bêche plus. Pour une raison très simple, déjà, ça fait mal au dos et ça ne sert à rien. Voilà, tant pis pour ceux qui l'ont fait pendant des années. Moi, j'ai vu aussi des générations de grands-parents. Je l'ai fait quand j'étais ado aussi. Ça sert à rien, j'ai compris après. D'une part, bon, vous coupez le ver de terre en deux, mais ça, c'est aussi une idée reçue. Vous n'aurez pas un de le ver. C'est pas comme les bactéries, ça en donne pas d'autres. Mais en fait, c'est la pire bêtise qu'on peut faire. Vous voyez comme il est fâché, le ver. C'est que vous allez mettre en contact, vous allez aller chercher à 20-30 cm de sol, du sol qui ne contient pas d'oxygène, où il n'y a pas de vie. Vous allez le mettre à la surface où ben, il n'est pas prévu pour fonctionner. Et ce qui était vivant à la surface, vous l'enterrez à 30 cm. Voilà. Ce qui fait que vous faites exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais ça met très longtemps à rentrer dans les cerveaux. Il y avait le ministre d'Henri IV, M. Sully, labourage et pâturage. Ben, le pauvre homme, il s'était trompé. Quoiqu'à l'époque, l'aère qui grattait le sol n'allait pas très loin. Donc elle faisait qu'égratigner. Mais maintenant, on a fabriqué des charrues qui vont à 30, 40, 50 cm, 1 mètre. C'est la pire des choses qu'on ait pu inventer. Alors ça crée des dettes chez les paysans qui n'arrivent pas à payer les machines, et ça fait la gloire des fabricants de machines agricoles qui sont très contents de vendre des machines théoriquement plus performantes. Voilà, donc ça va fâcher certains, mais le sol, on le travaille seulement en surface pour ne pas abîmer cette couche vivante qui est indispensable. Et il y a un outil qui est parfait, qui se reproduit dans l'agriculture aujourd'hui, hein, s'appelle la grelinette. Voilà. C'est 4 pointes, 3 pointes, 5 pointes qui vont seulement remuer le sol en surface. Et c'est en fait, vous n'abîmez pas la surface du sol. Vous l'aérez. On appelle aussi ça l'aérobêche. Ah, ils ont un ennemi, nos vers de terre, qui malheureusement fait partie de la mondialisation et du transfert d'espèces d'un pays à l'autre à la vitesse de l'avion. C'est ça. Alors, c'est des vers plats. Ils ont été signalés d'un ça y est dans les Hauts-de-Seine, hein, sur différentes communes des Hauts-de-Seine. Alors, il y a des vers ronds, vous connaissez, c'est le ver de terre ou le nématode. Ça, ce sont des vers plats, les platelminthes. Vous les connaissez peut-être sous d'autres noms lorsqu'ils parasitent l'homme, c'est la douve du foie, par exemple. Là, ce sont des vers tropicaux qui viennent soit d'Indonésie, soit d'Amérique du Sud. Et leur proie, puisqu'ils ont changé de biotope et qui ne sont pas régulés, c'est les escargots et les vers de terre. Et là, c'est un gros, gros problème parce que pour l'instant, on n'a aucun prédateur sur ces animaux. Alors ils sont arrivés comment? Ben, ils sont arrivés par avion, par bateau, avec des pots, des conteneurs qui contenaient des plantes tropicales qu'on amène dans les jardineries. Voilà. C'est-à-dire que les jardineries, c'est un des pires transferts actuellement d'espèces invasives. Et les espèces invasives, aujourd'hui, c'est la troisième cause de perte de la biodiversité sur notre planète. Voilà un spécimen qui est en train de s'attaquer à un escargot. Il va fracasser la croquille et il va manger l'escargot. Pour l'instant, on n'a pas de parade. Voilà, donc l'autre ennemi, ben, je vous le montre ici, c'est cette charrue, et aujourd'hui, bien ça y est, certains agriculteurs s'y sont mis, on va gratter le sol en surface, un peu le scarifier, et surtout ne pas abîmer la couche vivante, le moins possible. On reste quasiment à l'œil nu maintenant, on va passer à une autre espèce qui est importante dans le sol, les colamboles, je vous en avais parlé tout à l'heure, ce sont des détritivores. Hein. Alors, eux, ils vont accélérer la décomposition des feuilles et ils vont servir de proie à l'échelle supérieure. C'est eux notamment qui font des trous dans les feuilles associés aux bactéries. Alors, les populations de colamboles, elles sont en concurrence avec des populations d'acariens dans le sol, à peu près la même taille. Hein.
c'est à peine visible à l'œil nu. Vous avez les oribates à gauche, qui sont des gentils herbivores, qui font le même travail que les colamboles. Et puis à droite, vous avez les d'autres acariens, cette fois-ci, qui sont carnivores et qui se nourrissent des colamboles et d'autres acariens. Donc vous avez toute une famille, les diplures aussi, vous voyez que ce sont des animaux qui sont très simples. Il n'y a pas d'ailes, il n'y a pas besoin d'ailes dans le sol. Hein. On ne vole pas. Et tout ce petit monde détritivore, vous voyez, les diplures, c'est 50 000 individus au mètre carré. Et puis on arrive quasiment maintenant à l'échelle de la vue, c'est les pseudoscorpions, ce sont des araignées qui ont développé leurs palpes qui leur servaient de prédateurs pour manger. Elles sont devenues au cours de l'évolution gigantesques, elles ressemblent à des pinces de scorpions, même si ce ne sont pas des scorpions, on est chez les araignées. Et c'est des prédateurs qui vont se nourrir de tout ce qu'elles peuvent trouver dans le sol. Oribates, colamboles, et ils vont réguler la macrofaune. À côté d'eux, vivre de paisibles crustacés, les cloportes. Les cloportes, c'est en gros, c'est que c'était un homard qui se soit adapté à la vie aérienne. Vous avez 10 paires de pattes. Et c'est un crustacé indispensable. C'est un détritivore, il nettoie tout. Ne les écrasez pas quand vous les trouvez sous vos pots de fleurs. Ils sont indispensables dans l'écosystème. C'est eux qui vont nettoyer tous les cadavres qui restent. Il y a un autre animal qu'il fait que je ne vous présente pas aujourd'hui, que vous connaissez, c'est une punaise rouge et noire qu'on appelle le gendarme. Il fait le même travail. Donc il n'y a pas d'animaux, je dirais. Dans ce cas-là, vous êtes dans une chaîne où tout est utile. Les lithobies, c'est pareil. Alors, on appelle ça des mille pattes. Il n'y en a pas mille. Les lithobies n'ont jamais eu mille pattes. Les mille pattes n'ont jamais eu mille pattes. On ne connaît pas d'animal qui a mille pattes. Regardez bien celle-ci, elle en a 30. Des fois, c'est 36, mais il n'y en a jamais mille. C'est un prédateur. En gros, ça, c'est le tigre, c'est le tigre de la terre, du jardin. Il va sa morsure est venimeuse d'ailleurs, mais en général, bon, on ne se fait pas mordre, c'est très rare, mais je le dis toujours, lorsqu'on jardine, on met des gants. Ça, je le dis une fois, je ne le redis pas, comme ça évite d'avoir ce genre d'ennui. Oui, la lithobie est venimeuse. La lithobie est venimeuse parce que lorsqu'elle transperce la carapace de sa proie, elle va lui injecter un venin qui va dissoudre les chairs. Voilà. Et après, elle n'a plus qu'à le siroter comme un cocktail. Notre myriapode, c'est les gloméris, qui vont aussi aider à détruire les feuilles. Et puis, le léopard de vos jardins, de la terre, ce sont les fourmis, parce qu'elles rentrent dans des galeries, elles aèrent le sol. Voilà, donc vous avez à peu près toute cette petite faune. Et les fourmis sont très, très importantes, parce qu'elles vont détruire tout ce qui est chenilles et larves de prédateurs. Alors, il faut savoir qu'une fourmi, elle ne s'attaque pas à votre jardin, elle ne consommera jamais ni les feuilles, ni les racines, ni la sève. En revanche, elle va vous amener des pucerons, parce que la fourmi, elle a inventé avant l'homme l'élevage, et elle utilise les pucerons comme des vaches à lait. Donc elle participe à l'aération du sol. Sur ces images, je vais vous montrer un petit peu, avant qu'on passe maintenant pour terminer, faire revivre ensemble tous ces animaux, je vais vous montrer les tardigrades. Alors sur ces images qui ont été faites par les offices agricoles, parce que l'utilisation de ces animaux et la connaissance permet de savoir ce qu'il y a dans le sol et si le sol est viable ou pas. Vous voyez, les tardigrades, plus c'est foncé, plus il y en a. L'Italie est beaucoup mieux servie que nous, ou l'Espagne. Les colamboles, vous voyez que la France, on en a énormément, alors que les colamboles, sur des sols gelés en permanence comme en Islande, il n'y en a pas. Le ver de terre, idem. Plus le sol est chaud, le ver de terre déteste le gel, ce qui fait qu'en Islande, les populations sont très faibles, puisque le sol en profondeur est gelé en permanence. Alors ça, c'est tous des paramètres à prendre en compte. C'est pareil pour les lithobies. Bon, les lithobies sont très très bien représentées, mais vous n'en trouverez pas, par exemple, ou très peu dans les pays scandinaves, et pas du tout en Islande ou au Svalberg. Voilà. Donc en fait, le sol, c'est ce grouillement, cette diversité de vie. Et maintenant, je vais vous présenter une expérience que vous pouvez reproduire chez vous. Parents, enfants, grands-parents, c'est une expérience qui a été inventée à la transition 19e-20e par un naturaliste italien, botaniste, qui a énormément travaillé sur les parasites des jardins et les animaux qui vivaient dans le sol. C'est Antonio Berlez qui a donné son nom à un appareil. Malheureusement, je crois qu'on ne l'apprend plus en classe de SVT, parce qu'on n'apprend plus grand-chose, malheureusement, c'est triste. Ça permet d'étudier la faune du sol. Alors, le Berlez est basé sur un système très simple. On prend une poignée de sol de son jardin, de sa jardinière ou de forêt. On le met sur une surface grillagée
et on va l'exposer à une lampe qui va à la fois reproduire la lumière et la chaleur du soleil. Et toute cette petite faune n'aime pas ça, ni la chaleur, ni le soleil. Ils sont lucifuges. Donc ils vont passer à travers les mailles. Le filet est placé sur un entonnoir et les bébêtes vont tomber dans un liquide. En général, c'est de l'alcool. Et bien entendu, l'appareil est dans le noir pour que ces espèces retrouvent le noir du sol. Alors cet appareil est toujours utilisé aujourd'hui en milieu agricole, en agronomie et sur toute la planète pour étudier la faune du sol. C'est d'une simplicité sans nom et vous allez pouvoir le fabriquer chez vous. Voilà, avec tout ce que vous avez chez vous, il suffit d'une seule bouteille en plastique. Vous allez la couper en deux. Ça va vous donner une partie basse qui servira de récipient, la partie haute qui servira d'entonnoir. Mais comme entonnoir, il y a encore mieux. Si vous ne l'avez pas perdu, c'est l'entonnoir qui sert à mettre le sel dans la machine à laver, la vaisselle. Voilà, et il est parfait. Et ce qui va servir de grille, eh bien vous pouvez utiliser soit une petite grille métallique très fine, soit utiliser une passoire à thé. Et du papier aluminium pour recouvrir le tout. Et en l'espace de même pas 2 minutes, vous avez fabriqué un appareil de berlèse. Alors après, vous allez l'installer avec son entonnoir. Vous placez sur cet entonnoir la terre et vous n'avez plus qu'à placer sur le tout une lampe. Et après, pour étudier ce qui va tomber dans le récipient, une simple loupe suffit, voire une binoculaire. Donc ça ne demande pas un gros investissement. On avait présenté ça, nous, avec ma commune, sur une activité pour le premier confinement, et on a eu pas mal de personnes qui ont suivi. Donc voilà, je vous le reconstitue, hein, une lampe de 40-60 watts. Alors il va falloir la laisser fonctionner 48 à 72 heures pour qu'elle chauffe bien le sol, qu'elle l'éclaire bien et que toute la petite faune ait quitté la terre qui va tomber à l'intérieur de la bouteille d'eau et se noyer dans l'eau ou dans l'alcool. Et après, vous passez à la loupe. Et vous allez retrouver toute la petite faune que je vous ai montrée, de colamboles, de mille-pattes, d'acariens, de scorpions et autres. Alors c'est une expérience très simple, mais c'est une expérience qui permet à un scientifique, en l'espace de très rapidement, de connaître la population exacte, donc l'état sanitaire d'un sol, et savoir s'il faut intervenir ou pas et ce qui manque. Alors, je repasse rapidement maintenant ce qui se passe. Dans le jardin, qu'est-ce qui se passe comme en forêt, hein, c'est des décomposeurs à la chaîne. Les colamboles vont commencer le travail avec les bactéries. Les acariens prennent le relais. Les cloportes mangent les détritus. Quant aux acariens, ils vont consommer les cloportes. Ils vont consommer. Et peu à peu, les vers de terre vont prendre le relais. Le tout va se transformer. Au final, on va passer d'éléments organiques à des éléments minéraux. Et en fait, vous allez retrouver toute ma petite faune dans ce qu'on appelle une chaîne trophique. On peut traduire ça plus simplement par une chaîne alimentaire, où on est mangé ou manger, hein, manger ou être mangé. Regardez bien, les colamboles interviennent, les cloportes, les limaces, la feuille peu à peu se disparaît, les bactéries vont finir le reste, mais les colamboles se pullulent dès qu'il y a des feuilles, mais ils vont être mangés par des acariens, ils vont être mangés par les pseudoscorpions, et tout se régule, hein, ou par les mille-pattes. Tout fonctionne dans un système. Quant aux limaces, si vous n'avez pas les nématodes pour vous en débarrasser, vous avez quelquefois la chance d'avoir des orvets. C'est le meilleur anti-limace que l'on connaisse actuellement. Puis regardez ma feuille, elle est en train de se détruire. Les bactéries font leur action, les colamboles, etc., les acariens. Mais alors ces bactéries, elles vont servir de nourriture aux amibes, aux protozoaires. Et puis les amibes vont servir de nourriture aux petits vers, nématodes. Et puis les acariens vont être mangés par les pseudoscorpions, les débris de feuilles par les vers. Mais ça continue cette chaîne alimentaire, parce que derrière, il y a un grand amateur de vers de terre dans votre jardin. On râle après les taupes, mais un, elles aèrent le jardin, et deux, elles se font fabriquer des galeries qui vont permettre à l'eau et à l'air de circuler. Donc elles ne sont pas forcément que négatives. Et puis elles vont réguler la population de vers de terre. La taupe est venimeuse, elle va paralyser le vers de terre et elle va les garder dans des petites chambres où elle pourra les consommer. Et puis le vers de terre, il a d'autres prédateurs, hein, les musaraignes. Voilà. Quant aux nématodes, eux, ils sont mangés par les champignons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout ce système est autorégulé, ce qui fait que dès que vous ajoutez un pesticide ou un engrais ou n'importe quoi, je pensais au glyphosate tout à l'heure, vous allez détruire toute cette chaîne. Donc un jardin, il doit être autorégulé. Ah, j'avais oublié, pour un gros prédateur du jardin, c'est les opilions.
vous appelez des chevaux, des faucheux, ça mange tout ce qui est larve d'insectes et tout ce qui est larve de limaces et d'escargots. Donc on n'écrase jamais un faucheux. C'est indispensable au jardin. Alors bien entendu, bien on continue notre chaîne alimentaire. Hein. On est passé à l'échelle visuelle avec mes musaraignes, taupes, mulots et autres, mais ces animaux, ils vont rentrer dans la chaîne alimentaire. Même dans les jardins, vous avez. Moi, j'habite dans la vallée Loloux, dans le même département que Châtillon. Hein. Tous les soirs, je vois passer les renards qui descendent du bois et qui viennent manger les mulots. C'est pareil pour les chouettes effraies, pour les etc. ou pour les faucons. Tout ce système est régulé. Alors, si on regarde, vous allez vous promener en forêt et que vous pourrez tomber sur ces petites choses. Alors ça, on apprenait ça aussi quand j'étais à l'école primaire, notre instituteur, il nous faisait étudier les pelotes de réjection. Tous les rapaces, que ce soit des nocturnes ou des diurnes, ne rejettent les os pas par dans leur fiente, mais par la voie orale, sous la forme de pelotes de réjection, où on trouve les poils, les os. Et à l'école, on nous faisait étudier ces pelotes de réjection. On dissocie tout ce qu'il y a dedans, on trouve des crânes, des os, et on est capable de remonter aux mammifères que le rapace a consommé, ce qui permet de connaître, sans avoir besoin de les capturer, la population de mammifères et les espèces qui sont présentes sur les lieux. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal d'études qui sont faites actuellement par le muséum sur le département des Hauts-de-Seine. Alors, je termine avec mon histoire de compostage, parce que pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou un composteur à la maison en cuisine, ça permet de fabriquer du terreau. Alors, le plus simple, c'est le compostage en tas. Ça consiste à reproduire ce qui se passe dans une forêt. On va rajouter des éléments végétaux. Alors, la source de carbone, c'est les feuilles mortes. La source d'azote, c'est l'herbe. Après, il faut bien la mélanger. Il faut à peu près un rapport 70-30 de carbone-azote. Et on va laisser ça en tas. On le retourne de temps en temps. On l'arrose parce que, bien sûr, toutes les petites bébêtes qu'il y a dedans, elles ont besoin d'eau. On retourne pour décompacter. Vous pouvez mettre une température, un thermomètre, ça se vend même en jardinerie, et vous allez voir que si ça se passe bien, à l'échelle de 9 à 10 mois, voire 11 mois, un an, on va dire un an, vous allez obtenir du terreau, du compost. Et à l'intérieur, la température peut monter à 70 degrés. Résumons ce qui se passe dans un composteur. Au-dessus, monsieur est en train de jeter ses détritus. La petite faune va s'installer. C'est pour ça que le tas de compost doit toujours être posé sur le sol. Comment qu'un ver de terre peut monter dans un composteur en bois? Voilà. Donc on le met à même le sol et toute cette faune va pouvoir rentrer dans le système du compost. Vous allez trouver des herbivores, des détritivores et des carnivores. Herbivores, ça va être les escargots, les cloportes détritivores, les bactéries, tout ce petit monde va s'installer. Chacun mange l'autre et peu à peu, on retrouve la même chaîne qu'il y avait dans le sol tout à l'heure. Ce que vous trouverez souvent autour de votre tas de compost, pour lequel il faut faire bien attention, c'est ce petit coléoptère noir qui s'appelle le staphylin odorant. Staphylin odorant parce que dès qu'on le dérange, il soulève son abdomen et il projette une odeur nauséabonde. Voilà. Mais il est complètement inoffensif. Donc je vous remontre l'échelle. Les herbivores vont consommer les détritus. Ça va passer par leur tube digestif. C'est le premier niveau. Les détritivores, cloportes et autres vont recycler les excréments, des escargots, des limaces, etc. Et puis au troisième niveau, c'est les carnivores qui vont manger ces détritivores. Et le système est auto-entretenu. Voilà, c'est ce que se dit ce couple. Hein, le but, c'est d'imiter la forêt, vous voyez. C'est imiter ce qui se passe dans la nature et surtout respecter le sol. Parce que le sol vivant, d'abord, c'est le garde-manger des plantes. Et on peut très bien s'en sortir dans un jardin sans ne jamais utiliser ni engrais, ni pesticides. Donc on essaye simplement de reproduire ce qui se passe dans la nature, hein, c'est sauvegarder cette biodiversité, faire vivre toute cette petite faune, et surtout, je dis toujours, avoir le sens de l'humus. Voilà. Ça, je vais passer ça parce que ça ne vous intéressera pas. Et je vais m'arrêter ici, je ne sais pas où en est Agatha. Mais donc la préservation des sols, c'est se préserver, hein. Moi, je vais vous remercier pour votre attention. Et je pense que vous avez dû passer un bon moment avec Agatha, qui est éthologue. Hein, elle a fait sa thèse notamment sur le langage des oiseaux et des psittacidés. J'espère qu'elle arrivera à se présenter. Alors, si vous voulez la connaître un peu plus, eh bien, elle a un blog
que je vous conseille. Elle dessine merveilleusement bien. Elle observe, elle dessine, elle écrit, elle transmet, elle fait des conférences, des cours. Et ce blog s'appelle Le Nid de Pie. Voilà. Et moi, je vous remercie pour votre attention. Et donc la médiathèque et Rémi du service communication de la mairie de Châtillon qui a eu beaucoup de mal, je pense, que à travailler. Vous imaginez pas pendant que je m'activais devant vous doucement, lui, ce que la vitesse à laquelle il s'activait, c'était le pire que le petit peuple du sol. Merci à tous.